Alors voilà, bonjour Adrien, donc tes impressions donc sur ce magnifique cette magnifique étape Ouais, sous le soleil. c'était pas mal. La condition n'est pas très bien. Pas... Allez. Au début, là, dans les mots qu'émet, David Ah ouais. Payen, là. Attends, parce que là j'ai pas le texto, j'arrive pas à sous-titrer, hein, donc si tu peux un peu. Non. Au début, David, notre équipier, là, Ça va couper là. il David a. quoi? David Payen, Il a quoi? il m'a défié, il m'a dit t'as pris tes baskets pour monter Kemen, il ne me croyait pas capable et tout ça. Moi tout de suite quand c'est comme ça je m'énerve. Ah ouais. Donc j'ai accéléré dans Ah Kemen. ouais, mais je sais bien qu'il faut provoquer le destin des fois. Et voilà. Après dans Cassel, j'ai vu qu'il était un petit peu juste et tout ça, donc j'ai accéléré une première fois, une deuxième fois. Deuxième fois c'était la bonne. On est parti, après ça s'est regroupé, je l'ai attendu, j'ai dit il va quand même pas faire Ouais. 50 bornes tout seul, ce serait. D'accord. Attendez, j'ai un message dans mon oreillette. C'est pas mal. On me dit que vous avez bien fait de l'attendre parce qu'après vous attirez pendant au moins 150 km alors. Non, j'ai eu une défaillance. Effectivement, c'était très sympathique de m'attendre, mais. Ah, je pensais que vous vouliez dire au-dessus du lot, quoi. Ouais. Alors à la fin, j'attendais justement une attaque parce que justement, il a dit à la fin, ça se réglera dans la dernière côte. Il a attaqué trois fois, il a pas réussi à sortir. À Rebreuve, je lui mets une cinquantaine de mètres. Puis après, à Olin, il était à côté de moi et pas devant. C'était un petit peu. Voilà, on s'attendait à mieux. Bah là, je suis vexé, je sais plus quoi répondre. T'as gagné. Bravo, on terminera là-dessus. Demain, vous serez à 3, les gars. Au revoir.